Bonjour chérie. Oui, bonjour bébé. Quelle heure est-il? L'heure d'aller travailler. Oui, salut ma chère. Tu as bien dormi, j'espère. Oui, de mon côté, ça va. Alors, la réunion tient toujours ce matin? D'accord, super. Je t'attendrai à Golden Restaurant. S'il te plaît, sois à l'heure parce que j'ai plein de réunions aujourd'hui. D'accord, on se voit bientôt. Bye. Pourquoi ce retard? On devait se voir à 8h30. Je l'appelle voir.
Son téléphone est éteint. Elle a quoi? Pourquoi a-t-elle éteint son téléphone? Wow. Tu as préféré ici? Donc c'est les excuses que je mérite après t'avoir attendu pendant plus d'une heure? Non, c'est moi qui t'ai attendu. Alors, c'est à moi les excuses. Pourquoi le devrais-je? Même question je me pose. Je t'ai attendu et tu t'es pas montré. Non, moi je t'ai attendu. Et j'ai décidé de venir ici comme c'est ton service. De quoi est-ce que tu parles? Tu as demandé qu'on se voit à Golden Restaurant et ce que j'ai fait. Et toi, tu es resté sans testo ni appel. En plus, tu as éteint ton téléphone. Waouh! Quelle belle excuse! Je pensais que tu es un homme d'affaires un peu plus discipliné. Mais non, tu ne l'es pas. Écoute, je suis désolé. Mais c'est moi plutôt qui dois être en colère ici. Bien sûr. Eh bien, si tu as changé d'endroit, pourquoi es-tu retourné à l'endroit initial? Changer d'endroit? Quand? Comment? Je ne t'ai pas envoyé ce texto. Et pourquoi m'as-tu pas appelé quand tu ne m'as pas vu? Ton téléphone était occupé. Plutôt, ton téléphone est éteint. Voilà. C'est éteint. Ce n'est même pas mon numéro. Quoi? Ceci... C'est pas ton numéro. Tu as fait cela? Pourquoi, Ediro? Tu ne connais pas cette femme, ni les raisons de leur rendez-vous. Wehele. Wehele Pro Max. Qui est-elle? Là n'est pas mon problème. Je me demande, qu'est-ce qui peut donner l'audace à cette fille de vouloir rencontrer mon mari dans un restaurant? Elle a une idée derrière la tête. As-tu pensé à comment se sentirait ton mari quand il se rendra compte? Ah, pour ça, je m'en fous. Toi-même, tu sais comment sont les meufs de cette ville, non? Elles sont toujours à la quête d'hommes riches et beaux. Et tu sais que mon mari est très élégant, ma sœur. Je suis sa femme et je dois le protéger. Je vais veiller à ce qu'aucune de ces sorcières ne pose leur main sur lui. Et tu penses que c'est une raison valable de m'humilier devant mes clients? Mais c'est quoi ton problème? Wehele Promex. Tu cries. Tu hausses le ton malgré ce que tu as fait. T'es sérieux? Quel genre d'homme se rend tôt le matin dans un restaurant pour une soi-disant réunion avec une autre femme? C'est une cliente, Ejiro. Une cliente. Cliente, mon œil. Cliente. Tu es le seul à avoir des clientes, ou bien? Tu es incroyable.
Es-tu le seul homme à avoir des clientes? Calme-toi. Me calmer? Calme-toi. Me calmer pourquoi? J'ai à peine commencé et tu me demandes de me calmer. Hein? Mon mari à moi, nous aurons cette discussion. Alex, Alex, joue pas avec moi. Hein? N'ose même pas. Alex, c'est écrit quelque part sur mon front que je suis bête parce que je ne comprends rien. Attends, laisse-moi te dire, Alex. Regarde, ces genres de cachotteries que tu fais, je m'y connais. Quel genre de mari se réveille le matin et va dans la douche avec son portable s'il n'a pas intention de tromper sa femme? Je connais tous ces mouvements-là. Tu comprends? Je ne sais pas pourquoi tu te réveilles le matin. Et ton premier réflexe est de courir vers les toilettes avec ton téléphone pour faire « bonjour ma chère ». Bonjour ma chère que tu n'as même pas pensé à me dire. N'es-tu pas fatiguée? Hein? T'es toujours pas fatiguée? Fatiguée de quoi? Tu ne cesses toujours de m'accuser des tromperies. Durant les 2 ans que nous nous sommes mariés, tu ne m'as jamais surpris avec une femme. N'est-ce pas assez pour te prouver que je n'ai les yeux que sur toi? Hein? M'embobine pas, n'essaye pas. M'embobine pas, Alex. Ces genres de jeux, arrête ça. Tu n'as les yeux que sur qui? N'est-ce pas toi qui es allé déjeuner au restaurant avec une autre fille? Était-ce moi? Elle et moi, on se ressemble? Ou bien nos yeux se ressemblent? Toi et moi savons que si je ne t'ai pas encore attrapé me trompant, c'est parce que je te surveille. Je te surveille bomba tout bomba. Si je te laisse faire, chaque semaine tu seras papa d'un nouveau-né. Tu le sais. Raisonner avec toi est une perte de temps. Tu ne changeras jamais. Alex, aussi longtemps que tu demeures mignon, compte pas sur moi pour changer. Très tôt le matin, bonjour ma chère. Tu penses que je vais me laisser faire comme ça? Tu te fous le doigt dans l'œil. Tu sais qu'il t'aime. Mais ne fais pas en sorte qu'il regrette ce mariage. Pourquoi parles-tu de la sorte? Mon mari. Je m'inquiète. Je n'ai pas de problème avec mon mari. En plus, je ne pense pas qu'il me trompe. Mais tout le problème que j'ai, c'est le fait que... il est trop mignon et ses filles... elles ne voient pas passer de si belles hommes. C'est pas ma faute, c'est tout mon problème. Et par la suite, elles se font passer pour des filles gentilles et tout. Jusqu'à ce qu'ils ne commencent pas à être dégoûtés de moi. C'est pourquoi je fais l'effort de lui montrer que ces filles sont toutes des démons. Tu me comprends? Écoute, quand tu aimes un homme, laisse-le s'envoler. Laisse-lui la liberté. S'il t'aime, il te dira tout. Et si c'est le contraire, tu le découvriras et ce sera le test idéal. Test idéal? Même dans mes rêves, je ne le ferai pas. Crois-moi, c'est trop dangereux. D'accord? L'homme peut supporter jusqu'à un degré. Et à ce que je vois, Alex est en train d'arriver à ce stade. Et tu dois vraiment faire attention pour ne pas le pousser à l'extrême. Ma chère, tu vois mon mari et moi savons comment gérer nos problèmes. Allons-y, tu t'inquiètes pour rien. Allons. Je veux dormir, je suis très fatiguée. T'es fatiguée? Depuis quand? Hein, Alex? Ce que je sais, c'est que tu fais dans l'immobilier, tu vends des voitures. Comment peux-tu être épuisée? Qu'as-tu soulevé? Avec femme de ton genre, devrais-je soulever quoi que soit? Oh! Monsieur Alex, on va le faire cette nuit, hein? Ce sommeil que tu cherches ne va pas venir. Je ne comprends pas pourquoi tu dépenses ton énergie sur ces putes dans la rue. Et tu reviens à la maison me dire que tu es fatigué. Je ne comprends pas. Hein? Nous allons le faire cette nuit, mon chéri. Bien évidemment, nous ferons quelque chose comme d'habitude. D'accord, je comprends. Mon chocolat chaud, j'aime ça. C'est maintenant que tu as parlé. Sais-tu ce que je vais faire? Quoi donc? Non, ne me dis pas. D'accord? Je suis très timide de l'apprendre. Ne le sois pas, car tu ne m'as pas l'air de celle qui soit timide de faire des querelles.
querelle. Oh. Qu'espères-tu donc? N'est-ce pas ce que nous faisons ici? Querelle. Tu as commis une erreur. Au lieu de me présenter des excuses, tu t'entêtes. Moi? Oui, toi. J'ai commis une erreur. C'est plutôt toi qui devrais me demander pardon. Comment veux-tu que je demande pardon si je n'ai rien fait de mal? Si tu ne me présentes pas des excuses, tu n'auras rien cette nuit. Eh eh. Vraiment? Oui. Vraiment? Oui. Vraiment, vraiment? Oui, très oui. Bien. Bien. Garde ta chose. Bonne nuit. Bonne nuit. D'ailleurs, Alex, mauvaise nuit. Alex, tu veux dormir, non? Fais de mauvais rêves. Tu verras des sorciers et des sorcières dans tes rêves. Ils vont te chasser vers la forêt hantée. Et en plus, mes ancêtres ne te donneront point la paix dans cette forêt jusqu'à ce que tu reviennes dans mes bras. Bonne nuit. Maintenant, écoute-moi très bien. Je préfère cette forêt hantée pour être tourmenté par tes ancêtres au lieu de tes bras. Vraiment? Oui. Très bien. Et que fait même tes ancêtres dans la forêt hantée? À ce que je sache, la forêt hantée est faite pour ceux qui ont été maudits par les dieux. Alex, es-tu en train d'insulter mes ancêtres? Ejiro, bonne nuit. Es-tu en train d'insulter les gens que tu Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrête tout ça. C'est quoi? Pourquoi tu pousses ma jambe? N'est-ce pas plutôt toi qui s'attaque à mes pieds? Tu es mesquin. Arrête-moi ça. Arrête. Ne me dérange pas. Je vais dormir. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Ne suis-je pas ta femme? Tu n'es pas mon mari. Laisse-moi. Mais laisse-moi tranquille. Tu veux que j'aille le faire à qui? Oh, Dieu. Hmm? Alex, je vais le faire à qui? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Ah, ah, tu as pu sur ma sein. Ejiro! 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 C'est qui? Qui va là? Qui va là? Qui essaye d'agresser mon mari? Où sont-ils, bébé? Essaye de m'agresser? À part toi dans cette maison, qui d'autre peut m'agresser? Ah ah, donc personne n'est entré de t'agresser? Et pourquoi cries-tu mon nom de la sorte? T'as failli me donner une crise cardiaque. Ça ne peut qu'arriver à condition que je vive aussi longtemps. Oh, tu planifies mourir? N'essaye pas. Avec de l'insecticide dans mon parfum, ai-je besoin de d'autres causes de mort? Oh, ça? J'essaie juste de chasser ces insectes qui se disent clientes dans ton bureau. Qu'elle laisse mon mari tranquille. Entends-toi parler. Donc ça te plaira de me voir sortir avec l'odeur d'un vétérinaire. Tu apprécies l'odeur? Donne-moi ça. Ça sent bon, hein? Ça sent bon, c'est pas mal. Tu as perdu la tête, crois-moi. Je protège mon mariage. De quoi alors? Contre les sorcières. Oui, les sorcières. Essaie de te retenir. Je sais ce que... Où est-ce que tu vas? Je vais m'échanger. N'essaye même pas. Je vais le faire. N'essaye même pas. Wehele promasso. Je ne me laisserai pas faire. Bonjour madame, comment puis-je vous aider? Que peux-tu pour moi? Qui es-tu?
Je suis la secrétaire de Monsieur Alès. Bienvenue dans notre service. Arrête-moi ça. Où est mon mari? Oh, très heureuse de vous avoir enfin rencontré, maman. Wahala pour Max. Très contente de rencontrer qui? Moi? Ma sœur, ne sois pas ravie de me rencontrer, parce que c'est la fin de ton parcours ici. Alex! De quoi parlez-vous? Alex! Oncle Alex! Hein? Donc c'est ça! Hein? Donc c'est ça! Oncle Alex! Bonsoir à toi, Ediro. Eh, bonsoir à toi aussi. Bonsoir à toi aussi. Donc, c'est à cause de ça que tu ne m'admires plus comme tu en avais l'habitude. Parce que tu as une tranche de pain bien croustillant à ta réception. Hein? Ediro, qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu? De quoi est-ce que je parle? Ta secrétaire, avec ses seins et cette derrière à ta réception, je ne supporte pas. Vire-la. Qui est en concurrence avec qui? Je suis en concurrence avec quiconque porte une jupe près de toi. Ah ah! Comment peux-tu embaucher une telle fille et espérer que je sois en paix? Ça ne peut pas marcher. Vire-la! Quoi? Qu'as-tu dit? Je ne virerai pas ma secrétaire pour ton insécurité. Je le ferai pas. Hé hé! Ouais, pour Max. Tu vas la virer. Alex, tu vas virer cette fille ici et maintenant, où il n'y aura pas de paix. Je suis venue t'amener déjeuner, mais c'est comme si tu préfères que j'envoie quelqu'un à l'hôpital, n'est-ce pas? Hey, Alex, si je finis avec cette fille, ha, je vais briser tous ses os. Mais avant ça, je vais casser au moins 15 de tes voitures. Sinon, Alex, tu penses que je suis normale? Je suis pas normale, oh. Mais du roi. Hein, Alex? Mais tu peux arrêter ça ici, c'est un bureau. Tu me vires cette fille, sinon il n'y aura pas de paix. Oncle Alex. Wahal. Ediro, c'est quoi tout ça? Quoi tout ça? Je te parle, tu me poses des questions bêtes comme un insensé. Je me retiens de t'insulter, vire-la. Mais tu viens de le faire. Tu t'es insulté toi-même. Pourquoi? Ediro, arrête ça, arrête. Arrête, ne me fais pas voir ici. Ils vont entendre ma voix par ici. Ils vont entendre ma voix. Ils vont entendre ma voix. Je vais devenir dingue. Alex, Alex, vire-la. Insensé. Alex, donc tu m'abandonnes en haut, toute seule, pour venir jouer à l'homme sérieux ici avec ton travail. C'est ça, hein? Je suis ravi que tu vois que je travaille, alors s'il te plaît, laisse-moi travailler. Te laisser travailler? Alex, je refuse. Nous avons un accord. Que le travail s'arrête au bureau. Une fois à la maison, tu es à moi. Alors pourquoi tu amènes ça ici? Ediro, quelle est cette merde? Tu as oublié d'avoir m'obliger de virer ma secrétaire? Oui, elle avait pour devoir de répondre à ses mails car il n'y a personne d'autre pour le faire. Je ne laisserai pas ma société souffrir par manque de secrétaire. Oui. Fallait juste me dire que ta chère secrétaire te manque. Elle te manque tellement que tu n'as pas envie de passer du temps avec ta femme. Je sais bien que c'est ce que tu as voulu me dire en ces mots. Tu veux une secrétaire, n'est-ce pas? T'inquiète, monsieur Alex, tu l'auras. C'est ma tasse, j'en ai besoin. Mon Dieu. Bon Dieu. Je t'ai demandé. Et tu me l'as donné. Hey! Bienvenue, messieurs. Que se passe-t-il ici? Quoi? Tu disais avoir besoin de secrétaire. Me voici, comme ta nouvelle secrétaire. Bonjour, Ediro. Bonjour, Steve. Et ton travail alors? Oh, mais je suis au boulot. Je parle de ton travail. Oh, ça? J'ai démissionné. D'ailleurs, pourquoi est-ce que
Je devrais travailler pour un autre alors que mon mari a besoin de secrétaire dans notre entreprise. Tu es sérieuse? Oui, bébé. J'ai démissionné. Tu pètes les plombs. Et tu le sais, j'espère bien. Non, pas du tout. Bien sûr que oui. Non. Wahala Promax. Ah. Alex, à ce rythme, tu écouleras cet édifice. Je suis en train de perdre la tête et tu parles de l'édifice? Essaye de te calmer et discute avec elle. Elle a sûrement besoin que tu le fasses voir la raison. Comment pourrais-je y arriver? Je ne trompe pas Ejiro. Je l'aime trop pour lui faire cela, mais qui le lui dira? Elle a perdu la tête. J'espère que tu le sais. Moi aussi et même plus. Je ne suis plus connecté à ma femme. Ces drames m'empêchent de rentrer à la maison. Je quitte la maison chaque fois avec des émotions qui peuvent me gâcher la journée. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je sais qu'elle t'aime. Mais à l'allure où les choses vont, vous risquez de perdre tout ce qui vous a amené ensemble. Tu as peut-être raison. Alors, fais donc le nécessaire. Regarde, elle est assise là. Elle est assise là. La voilà comme ta nouvelle secrétaire. Je pense plus être fréquent dans ton bureau. Bonjour. Bonjour. Je veux voir Alex. Est-ce qu'il est dedans? Alex. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ton camarade? Non, attends, quel âge as-tu? Excusez-moi. T'excuser? En te voyant, on dirait que tu es dans les vingtaines, mais tu ressembles plutôt à une vieille de 45 ans à cause des mauvaises choses que tu fais. Est-il ton égal pour que tu t'adresses à lui par son prénom? Vous êtes normal? Ça va bien dans votre tête? Si je suis normal. Qui êtes-vous pour me dire comment je vais m'adresser à la personne avec qui je fais des affaires? Qui suis-je? C'est ce que tu me demandes? Non. Tu veux voir de quel bois je me chauffe ou bien? Qu'a-t-il entre toi et lui? Tu veux savoir qui je suis? Tu veux réellement alors, me connaître? Que se passe-t-il ici? Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde cette femme insensée qui se présente dans ce bureau pour me provoquer. C'est elle ta secrétaire? Tu dois la virer. Virer ta mère. Virer ton père. Bref, virer ton village entier. M'as-tu bien entendu? Pourquoi ce regard? Que peux-tu faire? Espèce de vieille fille avec tes yeux d'hibou. Désolé, allons-y. Espèce d'insensée. Toi-même insensée. Ose voir. Je suis vraiment désolé. Ose! Imbécile, va. Je suis vraiment désolé. Tu sais, tu dois la virer si tu veux qu'on continue notre affaire. D'accord, je verrai quoi faire, mais pour l'instant, je suis désolé. D'accord, s'il te plaît, pardonne-moi. Wehele Promax. Faut pas qu'elle me gâte la journée. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je suis là pour prendre les détails de cette réunion. Détails? Quel détail? Je suis ta secrétaire. Ne suis-je pas supposée le faire? C'est mon travail. Ça, c'est la goutte d'eau qui déborde. La goutte d'eau qui déborde sera la gifle qui va visiter ton visage avec ma main gauche. Waouh. Hein? Tu sais quoi? Je reste dehors. Quand vous aurez fini, tu me rejoins. Va-t'en! Sors d'ici! N'importe quoi! Disparais! Vieille sorcière. Hein? Et où penses-tu aller? Elle doit visiter un local. Dans ce cas, on y va ensemble. Non, j'y vais seule. Tu restes ici. Alex, je suis ta secrétaire. Et donc, je suis supposée connaître tous nos propriétés dans cette ville et tes soi-disant clientes. Oui, tu as raison. Je vais voir ça après, mais pour l'instant, en tant que bonne secrétaire, il te faut rester au bureau pour recevoir de nouveaux clients et répondre aux mails.
N'est-ce pas vrai? Alex. Ouais, elle est Promax. Ce temps pense que je suis folle, c'est ça? Fediro, ne te contente pas de rester dans ce bureau pendant qu'une autre femme profite de ton mari. Il a dit lui faire visiter les locaux. Pardon, lui fait visiter les locaux et lui bâtir les locaux. Est-ce la même chose? Parce que le temps qu'ils ont déjà passé ensemble suffirait à bâtir une grande maison. Bébé, hé, qu'est-ce que c'est? Ne brûlez pas ça! Arrêtez! Bébé, des gens sont... Oh mon Dieu! Ils sont en train de me frapper! Hé, ils me frappent! Oh mon Dieu! Mon mari arrive! Bébé, je ne sais pas, il y a certains gens ici! Hé, arrête! Laisse mon pied! Ne touche pas ma culotte! Bébé, je sais pas! Ils essayent de mettre feu au bureau! Ils essayent de... Ah, arrêtez! Ah, Jésus! Bébé, ils me frappent! Je sais pas! Ils disent... Je ne sais pas, s'il te plaît, viens! Viens vite, s'il te plaît! Ah, Seigneur! Oh, d'accord, bébé! D'accord! Que se passe-t-il ici? Tu m'as pourtant dit que le bureau est attaqué, mais tout me semble en place. Bien, peut-être tout semble en place. Je comprends pas. Ediro, pourquoi tu fais tout ça? Ediro, tu sais dans quel stress tu m'as mis? J'ai même appelé la police, pourtant ce n'est qu'un jeu. Peux-tu aussi imaginer le stress mental dans lequel tu m'as mis en pensant à là où tu étais et à combien de temps ça te prendrait pour revenir? Ediro? Ediro quoi? Dis-moi combien de temps te faut-il pour faire visiter un local? Oh, tu me traites de stupide, c'est ça? Ressemble-t-elle à une qui a de assez, l'argent? Assez! Écoute-moi bien, ceci ne marchera pas. Pour le bien de notre mariage, je te demande de sortir et tu ne reviendras que si je t'invite. Ouais, elle est Promax. Ha! Tu es en train de me virer? Si ça m'apportera la paix, oui! Sors de ce bureau! Ouais, elle est Promax. Jeune homme, c'est une entreprise familiale. Et je suis le PDG. Je te dis de sortir! Je ne vais nulle part. Ediro, j'ai jamais frappé une femme. Et je me suis promis de ne pas le faire. Mais si tu m'obliges, j'enlèverai cette perruque et te faire sortir d'ici. Oui. Sors d'ici! Écoute, Alex. Je m'en vais non par peur. Si je m'en vais, c'est par respect pour mon mari. Et par respect pour soi-même. Tu veux arracher ma perruque? Arrache-la! Toi et moi, c'est l'internet qui résoudra notre histoire. Ce bureau est ennuyeux de toutes les façons. Il n'y a rien ici. Regardez, quel genre d'être humain est celle-ci? Hein? Je reconnais que je suis un pécheur, mais cette punition dépasse tout ce que je connais. À moins que je sois puni aussi pour les péchés de mes aïeux. Ah, ah. Comment est-ce que j'ai pu ramener cette chose à la maison en tant qu'épouse? Foutaise! Tu dois te réjouir qu'il t'a laissé partir. Si c'était un autre homme, il allait bien te tabasser.
quel est ton problème? Je te relate mes épreuves et toi tu me parles des conséquences de mes actions. De quel côté es-tu? Je suis pour la vérité. Écoute, ce n'est pas bon pour toi, ni pour ton mari, ni pour ton mariage. Il ne te trompe pas. Laisse-le tranquille. Laisse-le respirer. Écoute, je ne suis pas celui-là que tu traumatises, mais je me sens étouffée à sa place. Je ne traumatise pas mon mari. D'accord? Toute bonne femme sait qu'en agissant ainsi, je marque mon territoire. Je sécurise ma propriété. D'accord? J'aime mon mari et tu le sais bien. Toi au moins, tu sais à quel point je suis fou amoureux de mon mari. Ceci n'est pas amour, mais plutôt une possession. Et si tu ne fais pas attention, ça deviendra une obsession. Si je ne le suis pas avec mon mari, envers qui le serais-je? Tu devrais me connaître déjà. J'ai un amour de feu pour Alex. Amour de feu? Amour veut dire? C'est-à-dire un amour qui peut brûler tout genre d'obstacles et des intrus. Tu es sérieuse? Parce qu'actuellement, je te vois comme un personnage dans un film. Écoute, vie réelle et les films. Les films sont tirés de faits réels de la vie. Donc, si je te rappelle un personnage dans un film, c'est que, comme moi, c'est qu'il y a plusieurs autres bonnes femmes qui me ressemblent là-dehors. Pardon. Tu t'appelles toi-même bonne épouse? Bien sûr que je suis une bonne femme et une bonne épouse. Ne le suis-je pas? Tu sais quoi? Maintenant que tout le monde est viré, et toi-même viré, peux-tu au moins plaider ma cause auprès de ton mari? Parce que je cherche du boulot. Tu sais, mon business ne tourne plus bien. Ce n'est plus stable en tant que tel, tu vois. Si je peux travailler avec lui. Ai-je perdu la tête? Ah ah, tu me trouves stupide? Tu espères que je te recommande pour travailler au bureau de mon mari? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, tout d'un coup, on dirait que tu ne comprends plus français. Je serais vraiment ma boule. Donc, tu me demandes de confier l'os à un chien. Non. Qu'est-ce que tu insinues? Oh, Dieu! Naza. Si je t'envoie travailler au bureau de mon mari, n'ose pas porter tes yeux sur lui. Est-ce que tu es normale? Comme? Tu penses que c'est un fiancé que je cherche? T'as pas répondu à ma question. Bien, je vais pas y porter mon regard. Mon amour est très dangereux. Mon amour peut tout brûler, y compris toi. Comme je l'ai dit, je vais pas le regarder. Ainsi, tu espères que je travaille avec lui, les yeux bandés? Écoute, tu devrais considérer mon offre. Parce que ton mari sait que je suis ton ami et que rien ne peut se passer entre nous. Je pense que je pourrais être ton œil au service. Tu vois pas, puisque tu es interdite d'y mettre pied. T'as peut-être raison. Je vais y penser. Donc, tu ne me fais plus confiance? Moi-même, je ne me fais pas confiance. Ah, Dieu! Je te dis, Alex est trop mignon et c'est là le problème. Il est beau et riche. C'est tout mon casse-tête. Avec ces filles qui truquent de partout, se balade à moitié nue. Que vais-je faire? Hein? Oh mon Dieu! Bébé! Tu rentres tôt aujourd'hui, j'espère que tout va bien au boulot. Non, il n'y a aucun problème, loin de là. Je suis actuellement invité à un dîner d'affaires par un grand businessman ici à Lagos. Pour de vrai? Très peu de personnes ont cette opportunité, mais je l'ai eu sur un plateau d'or. Waouh! Es-tu sérieux? Oh! Et qui t'offre alors ce plateau d'or? Plateau d'or? Tu viens de dire que tu as une opportunité sur un plateau d'or. Comment l'as-tu? Oh! Ah, bébé! Elle s'appelle Amanda. Elle est actuellement une nouvelle cliente qui veut acheter des propriétés chez moi. Elle a promis m'introduire à de grandes personnalités.
Crois-moi, la participation à ce dîner est un plus pour mes affaires. Oh, Amanda. En vrai, elle doit avoir tellement foi en toi pour prendre de tels risques à ton égard. Crois-moi, je suis impatient de signer le gros contrat avec elle. Oh, voici mon chéri adoré. Oh, d'accord. Alors, le dîner est prévu pour quelle heure, s'il te plaît? C'est dans 2 heures. Dans 2 heures? Oh, c'est bon. Oui. Il va falloir t'apprêter. Tu vas bien m'aider. Tu seras élégant. Tu vas m'aider. Ce marché est déjà à toi. Allons-y. Je me suis inquiétée. Ah, ah. Me demandant pourquoi mon mari est rentré si tôt. Oh là là. Hey. Affaire. Hey. Yeah. Affaire. Ah, bébé. Bébé. Bébé? Ouais. Viens voir. Ah. Bébé. Oui, chérie. C'est pour moi? Bien sûr. Je t'ai pourtant dit que j'allais à un dîner. Voyons, tu ne comprends pas. Tu es mon mari et je ne voudrais certainement pas que tu sortes le ventre vide. Alors, si tu es rassasié, arrivé là-bas quand on t'aura servi, tu vas juste prendre 2-3 trucs pour ne pas paraître affamé. Ah. Toi, cette dame, hein? Parfois, tu es très Laisse-moi sage. Laisse-moi tranquille. Je te dis. Seigneur, bénis ce repas au nom saint du Christ. Amen. Partons du fait que je dois désormais rester à la maison. Peux-tu m'accorder une faveur? Arrête de me regarder comme ça. D'accord. Promets-moi de dire oui. Avec toi, je ne peux rien promettre. Bébé. Je ne peux pas. Oh mon Dieu. De toute façon, je vais te dire. Je t'écoute. Comme tu m'as interdit de travailler à ton bureau, serais-tu d'avis qu'on embauche... NASA? Elle a besoin de travail. Hey. Tu veux placer un espion dans mon bureau? Non, c'est pas vrai. Tu sais bien qu'elle n'est pas comme ça. Elle en a besoin. Elle n'a plus d'emploi depuis quelque temps. D'accord? D'accord. Je sais que NASA est ta copine. Du coup, je vais y penser. Non, bébé, s'il te plaît, donne-moi juste une réponse. Je dis que je vais y penser. D'accord, d'accord. Dis-lui de passer à mon bureau demain. Ah, merci beaucoup. Ne renverse pas mon plat. Ah, d'accord, je t'apporte l'eau. Ne mange pas de trop, hein? Pourquoi m'as-tu servi alors si je dois pas beaucoup manger? Hé, hey, ma femme là. Bébé, est-ce que tu vas bien? Bébé. Ah! Mon amour, c'est quel type de tentation encore? Hein? Oh mon Dieu! Désolée! Hey! Hey! Oh! 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 Bébé! Oh! 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 Cher Marie, aurais-tu besoin d'eau fraîche pour te soulager? Hey! Hey, tu veux aller fêter et Amanda te présentera d'autres filles à la fête. Vas-y donc. Vas-y à la fête. Amanda. Bébé. Bébé, c'en est de trop pour une seule journée. C'est quoi tout ça? Voyons. Il s'agissait d'un dîner d'affaires ou quoi d'autre? C'est un dîner. Dîner. Oh, dîner. Hey, amour de ma vie. Ah, je crois que tu as besoin d'eau fraîche. Hein? Pourquoi ce n'est seulement qu'aujourd'hui une telle chose pouvait arriver? De quel genre de tentation s'agit-il? Je sais à quel point ce rendez-vous t'est important. Dîner d'affaires. Ai-je quoi? Oh, bébé! Ça peut aller?
que je t'apporte du papier toilette? Ouais, elle est Pro Max. Mon amour, est-ce que tu vas bien? Non, ça ne va pas. D'accord, c'est bon comme ça. Oh, si tu finis, tu viens te coucher et faire ta fête ici. Bébé, est-ce que tu vas bien? Ah, d'accord. Il est toujours vivant. Mon amour. L'amour de ma vie. C'est quel genre de problème tout ça? Hein? Que Dieu maudisse cette fille qui ne se rend pas compte qu'il est tard. Elle n'aura jamais un bon mari. Je la maudis. Bébé. Ouais. J'ai besoin de cet oreiller. Ah, d'accord. Bébé. Oui. J'ai besoin de celui-ci aussi. C'est le seul qui me reste. Tu as déjà trois. Puisque tu veux pas me dorloter, laisse-moi les tenir. Dis-moi juste de dormir. Oui, dors. Que fais-tu éveillé à cette heure-ci? Tu parles avec qui? C'est tellement drôle. Non, très drôle. J'ai changé le mot de passe, pas la peine de l'essayer. Pourquoi tu as changé ton mot de passe? Parce que c'est mon téléphone et j'en fais comme bon me semble. Alors donne-moi mon téléphone. Donne-moi ça. Alex, ton mari qui cache son mot de passe à sa femme la trompe. Ah ben oui, je te trompe. Ça peut t'aider à dormir. C'est ce que tu trouves à dire? Oui. Alex, écoute, Dieu va te juger avec ces rats dehors qui couchent avec mon mari. Dieu vous jugera tous. Après toi, n'est-ce pas? Bébé, s'il te plaît, donne-moi le mot de passe. Oh, maintenant tu es calme. S'il te plaît, donne-moi le mot de passe. Bébé... N'importe quoi. Tu penses que je ne sais pas quoi faire? Pas de problème. Garde ton mot de passe. Je vais ouvrir son œil. Je place le téléphone. Ou je prends son pouce, l'appuie sur le téléphone quand il dormira. Sûrement j'aurai ce que je veux. Ouais, elle est. Tout d'abord, je présente mes excuses par rapport à mon absence au dîner. Ce qui m'est arrivé était au-delà de mes pouvoirs. Tu as tout excusé, Alès. J'ai vu l'enthousiasme dans tes yeux lorsque tu prenais l'invitation. Alors, si tu n'as pas pu venir, il y a forcément une raison. J'ai essayé de te joindre le lendemain, mais je ne sais pas ce qui est arrivé à ton téléphone. Peut-être que tu es fâché et tu ne voulais pas me parler.
Pour quelle raison? Oh non. Le jour suivant, j'ai fait un voyage non prévu sur le Canada. Oh. Ma société traverse une période difficile. C'était sérieux et il fallait que je voyage. Tout compte fait, je suis de retour. Nous allons reprendre le contrat et on va le sceller. Oh. On ne va plus perdre le temps. C'est merveilleux, très génial. Vous avez les documents. Oh oui. On nous a fait visiter le terrain. Oui. Ça nous a plu et c'est exactement ce que nous recherchons. Et j'espère que les 6 autres que nous n'avons pas encore visités sont proches l'un de l'autre et c'est bien propre. Crois-moi, c'est la meilleure. Très propre. À propos de l'argent. Oui, je reconnais que les choses sont chères. 717 millions. C'est une fortune. J'espère que vous pouvez le revoir, la baisse. Eh bien, Amanda, pour te dire vrai, je crois que ce serait un peu difficile. Je suis à l'aise. Oui. Je sais que tu peux faire quelque chose à propos. Le temps est un peu difficile. Ce que je pourrais te faire est d'en parler avec les propriétaires et après te faire un retour. Bien, portons un toast pour une affaire réussie. Toast pour plus d'affaires. Oui, exactement. Est-ce que tu vas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Qui est-ce? Ejiro. Ejiro, qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu dire pas qu'est-ce que je fais ici? N'est-ce pas une place publique? N'ai-je pas le droit d'y être? Et toi, que fais-tu ici avec une autre femme? Tu la connais? Oui, c'est ma femme. Ta femme? Oh, ferme-la. As-tu des problèmes d'audition? Il a dit que je suis sa femme. Prostituée. Il t'a pas dit qu'il est marié? Qu'est-ce qu'elle fait ici? S'il te plaît. Je veux vraiment comprendre. Je sais, je suis désolé. Je n'ai jamais été ainsi humiliée dans ma vie. Oh, hé, toi, tu la fermes là-bas. Il faut que j'y aille. Disparaître de ma vue. Amanda. Amanda. Oh, c'est ton nom? C'est ton vrai nom ou ton nom de scène? Amanda. Amanda, Goliath. Amanda. Il faut que j'aille. Voleuse de mari. Espèce de vieille toi, pute. Viens par ici. Viens ici. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je regrette tout. Je regrette le jour que je t'ai connu. Je regrette les sentiments que j'ai pour toi. Je me maudis. Je maudis mon âme. Je maudis mon existence. Parce que quoi que tu fasses, je ne peux plus jamais m'empêcher de t'en vouloir. Une fois encore, tu me pousses à bout. J'ai perdu des clientes. Je perds le respect au quotidien à cause de toi. Néanmoins, je te suis fidèle. Néanmoins, je te respecte. Néanmoins, je continue par t'aimer. Mais pas aujourd'hui. Oh non, 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 pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as franchi toutes les limites. Tu m'entends? Je travaille sur cette affaire depuis des mois. Mais aujourd'hui, je suis en train de perdre une affaire qui doit m'apporter plus de 50 millions de francs à cause de ta stupidité et jalousie. Prie. Et dis-le, juste prie. Parce qu'avec tout cet amour, amitié et ce mariage, tu risques de perdre le seul homme qui t'aime vraiment. Que dis-tu? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais désolé, Ejiro, tu étais un bonheur, mais non plus maintenant. Tu es un obstacle. La pire chose qui puisse arriver à qui que ce soit. Thank you.
Alex. Tu aurais pu me comprendre. Tu aurais pu comprendre tout ceci. Je t'aime énormément et tu le sais. Pourquoi? Comment as-tu pu me parler ainsi? Pourquoi me faire sentir si mal? Thank you.
Allô? Bonjour, monsieur Alès. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous appeler aussi tôt le matin, mais ça vaut la peine. C'est pour vous informer que notre société n'est plus intéressée par le contrat. Vous pouvez toutefois continuer avec une autre personne. Allô? Allô? Merde! Allô? Je viens de recevoir un appel de la dame que tu as insultée hier. Elle a rejeté mon offre et refuse de continuer avec moi. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Félicitations, Ejiro. Pourquoi? Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal pour mériter ceci? Qu'ai-je fait de mal? Que veux-tu? C'est l'heure de la fermeture, monsieur. J'estime que vous devez rentrer. T'inquiète, je vais bien. Tu peux rentrer. Vous êtes ici depuis un moment. Il va falloir que vous rentrez. Je dis que je vais bien. Peux-tu t'en aller? C'est pas possible. Alex ne peut pas me bloquer. Comment a-t-il pu oser? Est-il si méchant? Hein? Oh mon Dieu. Voyons voir ses réseaux sociaux. Il m'a aussi bloqué là-bas. Je vais essayer ça aussi.
je crois t'avoir dit de partir. Que fais-tu encore ici et qu'est-ce que c'est? Vous êtes ici pendant un long moment, alors j'ai pensé vous apporter tout ce dont vous aurez besoin. J'ai pas demandé ton aide, d'accord? Je sais que vous m'avez pas demandé d'aide. Je sais que mon ami t'a blessé, mais tu peux pas te punir ainsi. Comment a-t-elle pu faire ça? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? J'aime mon épouse. J'aime Ejiro. J'étais prêt à l'amener en vacances dans un pays de son choix. J'ai planifié lui changer sa voiture, acheter une maison en son nom. Et voilà ce qu'elle a pu me faire. Pourquoi? Ne suis-je pas à la hauteur en ce qui concerne ma responsabilité? Qu'est-ce qu'un bon mari peut encore faire à son épouse et que je ne fais pas? Ne bois plus. Arrête. Tu en as bu assez. Non. Tu en as bu assez. Arrête. Excuse-moi. S'il te plaît, arrête. Arrête ça. C'est pas bien, d'accord? Qu'est-ce qui n'est pas bon, voyons? Mais... Je t'offre mon amour. Viens. Jésus-Christ! Que Dieu m'en épargne! Alex! Alex ne m'a jamais trompé. Il ne l'a jamais fait. Il ne m'a jamais trompé. Très bien.
Ce qui s'est passé était une erreur et n'aurait pas dû se produire. Je suis désolé. J'étais juste dans une dépression et j'ai profité de toi. C'est une insulte quand tu dis ça, Alès. Ce qui s'est passé n'était peut-être pas prévu. Mais c'est la meilleure des choses qui m'est arrivée. Ce que nous avons fait était spécial et unique. Tu t'entends toi-même? Tu écoutes ce que tu racontes? Quel diable racontes-tu? Je dis la vérité, je ne regrette pas ce qui s'est passé. Si j'avais le pouvoir, la nuit dernière ne s'arrêterait pas. Je peux toutefois le répéter. Toi et Jiro, vous êtes des amis. Je le reconnais, mais je ne peux pas prétendre que la nuit dernière, rien ne s'est passé. La nuit dernière était tout pour moi. Maintenant, écoute-moi bien. Écoute et écoute très bien. Hier nuit était une erreur. Ce qui s'est produit était une erreur. Alès, pardon. Veux-tu? Ne me pose pas cette question, tu n'es pas prête pour la réponse. Que veux-tu exactement? Ton mari. Es-tu suicidaire? Toi et moi savons que tu n'aimes pas un homme de confiance. Dis-moi juste où il se trouve, s'il te plaît, pour que je le prenne pour moi toute seule. Il va falloir me tuer au préalable pour en avoir accès. Ne me tente pas. Parce que mon amour peut m'amener aussi loin. Amour? T'as juste passé une nuit avec mon mari et tout à coup, tu es amoureuse. T'es vraiment une fille facile. Tu peux me traiter de tous les noms si tu veux, mais je sais ce que je ressens pour lui. Naza? Donc tu avais les yeux sur mon mari depuis tout ce temps. N'est-ce pas? C'est pour ça que tu voulais désespérément travailler pour lui. Non. Je n'ai jamais mis mon regard sur ton mari. Je n'ai jamais eu l'intention. Quand bien même je t'ai demandé de me trouver du travail là-bas. La seule chose que je voulais, c'était avoir du travail. Mais quand j'ai commencé par travailler pour lui, j'ai découvert un homme loyal qui respecte et aime une ingrate de femme qu'il appelle épouse, même à son absence. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de le traiter comme un moins que rien. Donc il doit te lécher le pied. Et quand je vois cette délicatesse de l'amour qu'il a pour toi, je me pose deux questions. Comment est-ce que dans ce monde, les bons hommes tombent dans les bras des mauvaises femmes? Alors, quand l'opportunité s'est présentée à moi, je ne pouvais plus me contrôler. Je suis désolée, je ne pouvais plus rien arrêter. Je dois la saisir. Je dois explorer l'homme appelé Alès. Je dois expérimenter ce qu'il fait avec la femme. Et je vais te le dire, je ne suis pas déçue. Il est 10 fois un homme et plus encore. Voyons, notre amitié ne vaut-elle plus rien pour toi? Pour que tu me trahisses de la sorte? Tu es mon ami, Ejiro, et je t'aime sans réserve. Mais tu me connais bien, je ne suis pas une hypocrite. Je suis franche. Ce qui s'est passé entre Alès et moi, oui, c'est mauvais, et je l'avoue. Mais ce n'était pas planifié. Si l'opportunité se présente encore, je ne manquerai pas de la saisir. Je ne suis pas là pour discuter, Alex, avec toi. Je suis là pour te supplier de prendre soin de ton mari. Sinon, je vais te l'arracher. Ici, c'est Naza qui parle à son ami.
C'est un conseil entre amis. Alors considère-le comme un dernier avertissement. J'espère que tu m'as bien compris. Sors d'ici! Sors! Sors! Je sais que tu me hais en ce moment. Traite-moi de tout. Je me suis vraiment mal conduit. Je t'ai offensé au-delà des mots. Mais tout ce que je peux demander, c'est le pardon. Je regrette tout ce qui s'est passé. Si je pouvais avoir la force de retourner le temps en arrière, je ne vais jamais, jamais t'embarrasser de la sorte. S'il te plaît, pardonne-moi si tu le peux. Ne me haïs pas pour ça. Je n'étais pas dans mes bons sens. Je suis vraiment désolé. Tu as finalement confirmé ses craintes en faisant ce qu'elle craignait le plus. J'ai tellement honte. Je me sens comme si j'ai commis le pire des crimes. Je regrette tout et je souhaite avoir un moyen de le corriger. En fait, c'est ce qu'il se doit. Que pourrais-je faire? Et je suis prêt à tout ce qu'il faut. Écoute, ce qui est fait, déjà fait, d'accord? Mais tu peux le corriger et l'empêcher de se reproduire. Comment? Tu étais vulnérable en ce temps. En plus ivre et déprimé. Est-ce que Nasa aussi était ivre? Non, elle ne l'était pas. Ça veut dire qu'elle n'était pas déprimée émotionnellement. Alors pourquoi a-t-elle permis cela sachant bien qu'elle est amie à ta femme?
Tu sais, tu as bien raison. Mais il ne semble pas qu'elle ait planifié tout ça. C'est juste arrivé. Validé. Mais si tu ne mets pas un stop à ça, ça se produira encore et encore et encore. Jusqu'à devenir une habitude en fait. Tu voulais me voir. S'il te plaît, prends place. Merci. Je pense que c'est pour me renvoyer, n'est-ce pas? Pourquoi le dis-tu? Je ne suis pas une enfant. C'est soit je quitte la société ou alors on continue où on s'était arrêté. Tu sais, ta franchise est ton problème. Ça te donne des difficultés à avaler des mots. Que veux-tu que je fasse? Je souhaite qu'on enterre ce qui s'est passé. J'aimerais tout oublier ainsi que toi. Je suis désolée, je ne peux pas. Je veux dire, comment peux-tu dire à une femme d'oublier la plus belle nuit de sa vie? C'est comme demander à une femme enceinte d'oublier le bébé dans son ventre. Alors, très bien. C'est ton choix d'oublier ou pas. Mais j'aimerais que tu restes loin de moi et ma famille. Tu l'aimes à ce point? La dernière fois que j'ai regardé dans tes yeux, j'ai constaté que tu as assez de peine. Depuis qu'on nous a découverts, tout ce que je vois, c'est le regret. Et Giro est l'amour de ma vie. Et elle te traite de la sorte? Toute femme qui tient et adore son mari ferait de même. Je sais tout de même qu'elle exagère. Mais elle m'aime. Et je l'aime aussi. La dernière fois que j'ai vu Ediro, elle semble vraiment misérable. Je n'aimerais pas que tu viennes entre nous. Je te donnerai tout ce que tu veux. Reste chez toi, essaie de te consoler. Tu peux même voyager si tu veux. Je vais payer le prix. J'apprécie ta sincérité. Mais je n'ai besoin de rien de toi. J'ai besoin du temps que nous avions passé ensemble. Je le chérirai pour le restant de ma vie. Je vais partir. Je le promets. Je vais rester loin de ta famille. Mais s'il te plaît, prends soin de mon ami. On peut... Pense à moi de temps en temps. Il faut que j'y aille. Je m'en vais. Tu vas bien, Naza? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux aller. Tu le savais déjà, n'est-ce pas? Il t'a juste fallu une fois pour t'effondrer complètement.
Pourquoi? Tu ne te rends pas compte que c'est trop tôt? Non. Tu l'espères laisser son épouse pour toi? Je n'espérais rien du tout. Mais je suis humaine après tout. Et mon cœur ne le supporte pas. Toute ma vie, j'ai cherché quelqu'un pour m'aimer. Mais généralement, ceux qui rentrent dans ma vie viennent seulement avec l'idée de cesse et non de l'amour. Et la toute première fois que j'ai finalement trouvé un homme avec qui m'a fait l'amour avec tendresse, tu sais, chaque fois que je fais l'amour avec mon copain, c'est comme une corvée pour moi. Mais avec Alès, j'ai enfin trouvé un homme avec qui je peux me connecter. Quelqu'un avec qui je peux vraiment me connecter. Quelqu'un qui ne t'appartient pas, Naza. Je sais que ce n'est pas le mien. Et je ne veux aussi rien forcer. Mais comment puis-je l'expliquer à mon cœur que ceci ne s'est pas passé? Comment ai-je supposé le dire à mon cœur pour qu'il l'accepte?
et diront ma fille. Maintenant que tu t'es mariée et que tu es très heureuse, alors que peux-tu faire pour enchaîner ton mari? Enchaîner mon mari, tu as dit? Maman, mon mari n'est pas un chien et pourquoi dois-je l'enchaîner? Vas-tu arrêter de parler comme une insensée? Ne penses-tu pas que chaque homme est censé être protégé? Ou bien tu veux que ton mari partage ton amour avec d'autres femmes? Maman, mon mari m'aime énormément. Et je l'aime aussi. Ah ah! T'ai-je dit que tu n'aimes pas ton mari? Je n'ai pas dit que tu ne l'aimes pas. Mais tout ce que j'essaie de te dire, c'est d'être prudente. Tu sais que ton mari est très élégant. Et les femmes vont tourner autour de lui pour le capter. Donc tu dois protéger ton foyer. Maman, je ne suis pas sûre que mon mari pourra me tromper. Mais il demeure un homme. Laisse-moi te dire une chose, ma fille. Les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. D'accord. Si tu estimes que tu peux lui faire entièrement confiance et qu'il ne peut pas te tromper, qu'en est-il des femmes qui tournent autour de lui? Tu leur fais aussi confiance? Donc tu dois avoir ton œil sur lui à chaque minute près. Donc tu es en train de me dire que je dois le surveiller de près? 100% et même plus. Parce que si moi je n'avais pas contrôlé ton père, actuellement je suis sûre qu'il aurait eu plus de 6 femmes. Parce que initialement quand on s'est marié, j'ai été claire avec lui que ce mariage c'est entre lui et moi. Je ne veux pas une troisième personne. Bien sûr les gens parlaient, disant tout ce qu'ils veulent, que j'étais trop possessive. Mais avec le temps ça a payé. Je peux te rassurer maintenant que je suis la seule femme de sa vie. Donc, je devrais surveiller mon mari. Chaque homme, je le répète, chaque homme mérite d'être enchaîné. Sinon, tu le perds. Crois-moi. Tu sais que je ne peux pas te tromper. Tu le sais, n'est-ce pas? Donc, tu dois faire ce qu'il faut. Voilà, j'ai parlé. Alex. Oui? Alex. Ouais, je suis là. Alex. Je suis ici. Alex Odemba. Oui? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça? Bébé, toi-même tu connais les femmes. Ça doit être l'une des filles dans la fête de la dernière fois. Fallait voir comment elle se comportait en ma présence. Elle me tenait comme si on se connaissait avant. Et tu n'as pas pu leur dire que tu es marié? Voyons bébé, c'était pas si sérieux. En plus, ça prouve déjà que je suis marié. Alex. Oui? Pas de Kyo di. Va demander aux évêques la signification. Compris? Tu vas la laver toi-même. Bébé. Oh non. Tonton Alex. Ce jeu auquel tu joues serait très intéressant pour te faire rire si fort. C'est pas un jeu, je suis en train de chatter avec elle. Très drôle, tu ne peux pas l'imaginer. À cette heure de la nuit? Bébé, tu ne connais pas Ella. Elle peut chatter de maintenant jusqu'à demain matin. C'était une de mes préférées lors de nos jours de cours. Tes préférées? L'une de mes préférées, j'ai dit. Ouais, elle promex. Alex. Tes préférées. Oui, l'une de mes préférées. Tes préférées savent que tu es marié? Oui, elle a sait que je suis marié. Elle a même assisté au mariage. Ah. Alex. Une d'entre elles.
Que veux-tu dire par là? Pourquoi ne pas l'épouser? Pardon? Parce que je ne comprends pas. Comment une fille peut être ta préférée et te faire rire jusqu'à ce point aussi tard dans cette nuit sans que tu ne l'épouses? J'ai dit sur les bancs d'école. Oh, donc tu acceptes d'avoir quelque chose avec elle? Non, il n'y a rien eu entre nous, non. Vous n'avez rien fait ensemble ou vous n'avez rien eu à faire ensemble? Nous n'avons rien fait. Mais vous avez fait quelque chose? Non, on n'a rien fait. Tu confirmes que tu n'as rien eu avec elle? Non. Alex. Oui? Pas de problème. Parce qu'une autre femme te fait rire aussi fort alors que je ne t'ai jamais vu rire ni sourire lorsque tu tchatches avec moi. Bébé, tu es vraiment drôle que tu me fais rire tout le temps. Je suis drôle. Oui. Donc je suis une comédienne. Non, j'ai pas dit que tu es comédienne. J'ai dit que tu es drôle. Qu'est-ce qui ne va pas? Continue de chatter. On verra. Bébé, tu ne vas pas quand même... La table est servie. Je te croyais avoir perdu ton appétit. Donc, le repas est servi et tu ne me dis pas, j'ai pas perdu d'appétit. Hein. Puis-je te poser une question? Hein? Pourquoi es-tu si beau? Le suis-je? Pourquoi est-ce que la majorité de tes clients sont des femmes? Ben, j'ai des clients hommes. Juste qu'après la première visite, ils laissent leur épouse ou petite amie de faire le choix. Tu sais très bien comment vous, les femmes, vous vous comportez. Donc, ils laissent les copines choisir ou les épouses choisir les maisons et après, ils payent à leur tour. Pourquoi ne pas insister travailler uniquement qu'avec des hommes? Hein? Je ne peux pas. C'est pas professionnel. Et ce n'est non plus professionnel que tu travailles à la maison. Ah ah! Faudrait au moins arrêter ça. Laisse le travail au bureau et quand tu viendras à la maison, tu seras à moi seule. Et Jiro, y a-t-il un problème parce que je te trouve un peu étrange et jalouse? Tu le feras, oui ou non? Je le ferai. Alors, tu es contente maintenant? Je t'aime comme ça. Je t'aime aussi. Pourquoi regardes-tu des femmes presque nues à la télé? T'as que ça à regarder. Je ne suis pas en train c'est de travailler, de je veux des temps avec la musique. Suis au moins les chaînes des hommes. Ah. Tu sais très bien que je n'aime pas le football. Aime ça, aime ce que les hommes aiment. Je vais changer ça. Et Diro, qu'as-tu fait?
Pourquoi t'es-tu laissé influencer de la sorte? Là, regarde-toi. Tu as réussi à tout détruire. Tu as détruit ton foyer. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste? Oh Dieu! Non, lève-toi, s'il te plaît. Pouvons-nous sauver notre amour? Ma reine n'a rien à voir avec des larmes aux yeux. Je suis désolée, j'ai tout gâché. Pourquoi m'aimes-tu si fort? Être en colère contre toi, c'est comme être en colère contre moi-même. Ça serait difficile. Et je t'aime parce que je ne vis que pour ça. À moins que je sois suicidaire, je ne peux vivre sans toi. Je t'aime énormément. Et cela étant dit, afin de vraiment avancer dans ce mariage, accepterais-tu consulter un coach? Un coach? Oui. Tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça quand on s'était connu et décidé de se marier. Tu étais douce, encourageante et très soutenante. D'un seul coup, tu as tout changé. Ignorant que les actes que tu poses pourront te causer des ennuis dans l'avenir. Alors dis-moi, accepteras-tu pour nous sauver? Bébé, je ferai tout ce qu'il faut pour toi. Merci beaucoup, mon cœur.